bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Émilie, Pierre, Patrick, Mathieu et Mohamed. Salut à tous les cinq. Bonsoir. Oh, il est magnifique. La chorale de C'est à vous. Au sommaire ce soir, un couple fusionnel, la rentrée scolaire après un été pourri et un président à Marseille. C'est quoi le sens de cette visite pour vous, Monsieur le Président ? Venir là au contact et d'écouter en particulier les habitants et les associations. Emmanuel Macron donc sur le terrain dans sa ville de cœur. Des milliards pour rénover les écoles. Il se rendra dans les quartiers nord. Alors que la cité phocéenne est sous tension. 15 personnes ont été tuées depuis le début de l'année. Un choix de vie à faire, soit le bon, soit le mauvais. On a pris le mauvais. Là, on est vert, donc vert, ça veut dire qu'on est bien. Il fera 29 à Marseille. Il est tombé deux fois plus de pluie que pendant un mois de juillet normal au Touquet. En termes de météo, bon, ça pourrait être mieux. Le livre de la rentrée politique. Nous sommes totalement fusionnels. Tant qu'on est tous les deux. Est-ce que vous avez envie qu'il se représente ? Je ne le dirai certainement. Ça n'est pas une décision qu'on prend à deux. Non. Autant de sujets qu'on aborde de 19h à 20h avec nos invités avant de recevoir deux tourtereaux et l'un des auteurs de cette rentrée. Tout irait pour le pire dans le pire des mondes, mais grâce à Dieu, je suis là. Tant pis, hein. Pas de révolte avec moi, je suis pas votre mari. Hein. C'est un des livres les plus attendus, il est drôle, il est caustique, il est cynique. Je vous ai apporté Philippe Génada. Il fallait que j'aille dans les moindres détails. Je suis un génie, je suis un pur génie. Sa présence vous rassure ? Oui. Philippe Génada, Evelyn Bouix et Pierre Arditi dînent avec nous ce soir, un dîner préparé comme tous les soirs de la semaine par Abdel Alaoui de la Tchouka. Au menu, ce soir, j'apprendrai à le prononcer d'ici 20h. Mais d'abord, Patrick, une visite historique. C'est comme ça que l'entourage d'Emmanuel Macron présente le déplacement du président à Marseille. Trois jours pour tenter de trouver des solutions au problème de la cité phocéenne, mais des grandes promesses de rénovation et d'investissement massif. Marseille en est déjà vu passer beaucoup. Oui, oui. La dernière fois, c'était en 2013. Même contexte de violence, la ville avait compté une quinzaine de meurtres dans des règlements de compte. En novembre, après un an d'aller-retour ministériel, il était question d'urgence marseillaise et de concertation avec les élus locaux. Le chef du gouvernement socialiste, Jean-Marc Ayrault, débarque à Marseille avec un plan d'aide de plusieurs milliards d'euros consacré à la rénovation urbaine, l'école, l'emploi, la sécurité, les transports, un plan, beaucoup d'argent et quelques grandes phrases, ou pas. Marseille a besoin de la France. La France a aussi besoin de Marseille. Et vice-versa. Bon, blague à part, le gouvernement de François Hollande se fixe alors une priorité, la résorption de la fracture nord-sud, le désenclavement des quartiers nord ghettoisés très loin du cœur de ville. Depuis le Vieux-Port, il faut une demi-heure de voiture pour rejoindre la Castellane, une demi-heure les Bonjours, une heure par l'unique ligne de bus pour aller vers la cité qui fut celle de Zidane, de Zinedine Zidane. Une heure donc. Jean-Marc Ayrault annonce une étude pour l'extension du métro vers l'hôpital Nord, le métro toujours embryonnaire à Marseille, deux lignes de métro seulement, trois lignes de tram, 35 km de réseau sur un territoire grand comme deux fois et demi Paris, ce qui fait que Marseille reste la ville du tout voiture. Et puis, annonce choc, chantier gigantesque, le Premier ministre annonce une nouvelle gare à 2 milliards d'euros. J'ai fixé comme priorité, à la suite du rapport de la commission Mobilité 21, de réaliser une gare souterraine traversante à Saint-Charles, ce qui mobilisera 2,5 milliards d'euros d'investissement. Cette gare souterraine permettra de faire voyager 20 millions de passagers par an, soit deux tiers de plus qu'aujourd'hui. Voilà, formidable, la priorité, Jean-Marc Ayrault. Elle en est où, cette priorité ? Pas toujours à l'état de projet, il n'y a pas eu le premier coup de pioche. La concertation a été lancée par la SNCF au printemps dernier, il y a 6 mois, pour un début de chantier prévu, si tout va bien, en 2028. Ça veut dire qu'au mieux, le projet pourrait voir le jour 20 ans après l'annonce qu'on vient de réécouter. Quant au métro de Marseille, il compte toujours les deux lignes inaugurées en 77. Il est seulement question de prolonger le tramway aujourd'hui vers les quartiers nord. Alors, ce n'est pas seulement la faute de l'État. Hein. Le gouvernement s'en est remis, notamment pour le métro à la nouvelle métropole ex-Marseille, que ses opposantes, en partie paralysées,
faut savoir, et Marie-France va nous le dire sans doute, Etchegouin, les villes riches de l'agglomération comme Aix-en-Provence ne veulent pas payer pour Marseille la pauvre. C'est comme ça que les projets sont enterrés ou retardés. Et voilà pourquoi, comme dirait Jean-Marc Ayrault, Marseille a besoin de la France. Bonsoir Marie-France Etchegouin. Bonsoir. Journaliste, auteur d'une enquête très fouillée, Marseille, le roman vrai qui est sorti en 2016 chez Stock, et en liaison avec nous depuis Marseille, Romain Capdepont, chef de la rubrique police-justice du quotidien La Provence, qui titrait ce matin « Macron vient aider Marseille parce que Marseille a besoin de la France et la France a besoin de Marseille ». Ça, on l'a bien compris. Patrick vient de le rappeler, des responsables politiques qui viennent à Marseille pour annoncer des aides, des plans de sauvetage, ce n'est pas la première fois. Est-ce que c'est une visite de plus, très médiatique, une opération de com', c'est ce que dénonçait ce matin Martine Aubry, la maire de Lille? Il faut espérer que non. Enfin, c'est quand même une visite historique, hein, et c'est un président de la République qui s'engage personnellement. Et qui ne résiste pas peut-être à l'idée d'être le sauveur de Marseille, de réussir là où tout le monde a échoué jusqu'à présent. Alors, il a suffisamment répété, il aime Marseille passionnément. C'est sa ville de cœur. C'est sa ville de il cœur. Il adore l'OM. Je pense que c'est vrai. C'est étonnant d'ailleurs de voir ce lien entre cet homme venu du Nord, natif d'Amiens, et cette ville. Alors, il y a passé son premier été de vacances. Voilà, alors les connaisseurs disent que Marseille est aussi, ou plutôt Macron est aussi disruptif que Marseille, peut-être. Et puis Marseille, c'est vrai que c'est une ville, en fait, bon, j'adore cette ville, qui est parfois désespérante, et en même temps, on a toujours l'impression que c'est la ville de tous les possibles. Je pense que c'est aussi ça qui donne envie à Emmanuel Macron d'aller se frotter à cette ville. Qu'en pensez-vous, Romain Capdepont? Comment la ville accueille-t-elle? Quel sentiment a-t-elle sur cette visite historique? Jamais un président n'avait passé 3 jours à Marseille. Oui, c'est une visite historique, ça, il n'y a pas de doute sur ça. 1 milliard d'euros tombe du ciel alors que de la ville sont... Évidemment, c'est un peu miraculeux. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et quelle personne on va appris... De métro. J'ai peur, Romain Capdepont, que la liaison Paris-Marseille ne soit pas aussi facile que ça. On a besoin de vous. Hein. On essaie de rétablir la liaison d'ici quelques instants. En tout cas, c'est sûr, une visite pour rien. C'est évidemment la question que Louis Amard et Audrey Payas ont réussi à poser à Emmanuel Macron pour cet aveu. C'était il y a quelques minutes. Monsieur le Président, c'est quoi le sens de cette visite pour vous, Monsieur le Président? De venir là au contact et d'écouter en particulier les habitants et les associations de cette cité de Massins, qui est une cité où il y a eu des événements terribles à la fois au printemps 2016 et au printemps 2021. Et donc, avant de décider, on a beaucoup travaillé sur ces sujets, mais c'est aussi d'écouter les habitants. Comment faire pour que ce que vous allez annoncer ne soit pas un énième plan pour Marseille? Non, c'est de se donner les moyens d'avoir un suivi, des mécanismes de responsabilité. Et donc, c'est pas les montants, et on fera pas les choses en un jour, mais c'est d'avoir les acteurs locaux avec nous. Et surtout d'avoir des règles claires, de savoir qui fait quoi. C'est ce qu'on va tâcher de faire. Mais voilà. J'ai une question. Marie-France Etchegouin. Oui, ce que laisse entendre Emmanuel Macron, c'est en fait une question de méthode. C'est plus que, évidemment, il faut des moyens, il faut rattraper un retard. La ville a été abandonnée longtemps. Alors, il y a même des gens à Marseille qui réclament pratiquement une mise sous tutelle de la ville. Il ne va pas jusque-là, il parle plutôt d'une co-construction. Et si le plan Ayrault a aussi, c'est un peu perdu dans les sables, les élus le disent, hein, Samia Ghali le disait encore ce matin, c'est que il y avait pas de projet, quoi. L'argent était là, mais pas de projet, ou alors tout ça se perd dans des espèces de batailles, de balkanisation politique, de choses qui n'arrivent jamais. Et souvent, les grands chantiers urbains à Marseille qui ont réussi, souvent, ils étaient pilotés aussi en lien avec l'État, comme Euroméditerranée, etc., tout ce réaménagement des docks à Marseille. Il y a eu pas mal de millions non consommés, comme dans le langage... Et qui sont où Ils sont disponibles. Ils n'ont pas été utilisés, et notamment sous la municipalité de Jean-Claude Godin, à Marseille. Il y avait des crédits de rénovation urbaine qui n'étaient pas consommés. Et puis, il n'y a jamais eu, sous Godin en tout cas, Godin, l'exemple du métro, c'est intéressant. Il y a effectivement deux lignes de métro depuis 1970
et le tramway qui a été construit après. En parallèle. Il fait doublon. Et là, moi, je me souviens de gens à Marseille qui me racontaient des histoires rocambolesques avec chaque élu qui voulait que le tramway passe. Voilà. Donc, il y a ce clientélisme aussi politique à Marseille qui est hérité aussi d'une tradition qui peut s'expliquer par cette ville qui a accueilli depuis très longtemps des communautés, etc. Avec un personnel politique aussi un peu usé, qui s'est perdu dans ce... Moi, je me souviens quand Jean-Marc Ayrault a annoncé ce plan, il y avait une grande réunion à la préfecture de Marseille, où qui réunissait tous les élus, et de droite comme de gauche, et il y en avait, enfin, je n'ai pas compté, mais au moins une quinzaine, qui étaient en délicatesse avec la justice, pour des abus de biens sociaux, pour des conflits d'intérêts, voilà, des enquêtes qui n'ont pas toujours débouché, mais certains ont été condamnés. L'une des urgences, c'est la sécurité. Emmanuel Macron est attendu là, dans un commissariat pour l'un de ses premiers déplacements du jour. 15 homicides liés au trafic de drogue depuis le début de l'année. À la mi-août, un adolescent de 14 ans tué. Le 21 août, un homme de 27 ans brûlé vif dans une voiture. C'est une spirale sans fin. En 2016, vous alliez même très loin en disant qu'on a laissé se développer le trafic de drogue pour s'assurer une paix sociale dans les quartiers sinistrés. Je n'étais pas la seule à le dire, mais c'est vrai que c'est pas forcément conscient, cynique, calculé, etc. Et c'est pas uniquement à Marseille. Et sans le trafic de drogue, on sait très bien, et tous les policiers le disent, les élus, les associations, etc., que les quartiers exploseraient. Donc ça injecte de l'argent, ça fait vivre des gens. Et en fait, les opérations de police, etc., pour l'instant, consistent à juguler, à faire en sorte que ça ne devienne pas insupportable. Alors, insupportable politiquement, hein, là, c'est des jeunes qui sont morts, donc tout d'un coup, tout le monde s'émeut. Que ça ne devienne pas insupportable pour les gens des quartiers, souvent ces gens des quartiers, ils sont oubliés. Et bien évidemment, il faut plus de moyens de police, enfin, c'est ce que Emmanuel Macron va annoncer, mais il faut surtout un plan. Le trafic de drogue, ce n'est pas la cause des problèmes. Enfin, pas seulement la cause des problèmes, c'est un symptôme. C'est de la prévention, c'est désenclaver ces quartiers, c'est réinjecter de l'argent, c'est tout ça. On dit désenclaver ces quartiers, mais il faut regarder la topographie de Marseille, c'est particulier, oui. Parce que les quartiers ne sont pas excentrés à Marseille. Exactement. À Marseille, les quartiers sont dans la ville, dans le centre, les classes populaires, elles sont au Vieux-Port, tout rue de Vaine, c'est à côté, donc elle est particulière quand même. Tout à fait, ça c'est quand Patrick parlait du temps qu'il faut pour aller de la cité de la Castellane à Marseille, au centre-ville, la particularité de Marseille, en fait, c'est que la banlieue est dans la ville, c'est une ville qui est enserrée par la mer et les collines. Et donc, les quartiers nord, c'est à la fois loin et très près. D'abord, les quartiers nord, ce n'est pas uniforme, ce n'est pas que des cités. Marseille, c'est un tissu, c'est vraiment imbriqué. Les quartiers populaires, ils sont en centre-ville, mais d'une vie à l'autre, rue à l'autre, vous allez passer d'un quartier très populaire à un quartier qui commence à être gentrifié ou à un quartier bourgeois. Tout est assez entremêlé à Marseille. Et ce que vous montrez dans votre livre, c'est que c'est aussi entremêlé par... les liens qu'il y a entre ces quartiers, on parlait tout à l'heure de la corruption politique, vous montrez à quel point, au travers d'écoutes téléphoniques, à quel point les conversations entre des dealers et des notables corrompus, eh bien, ça crée aussi une forme de lien, d'autres formes de liens entre ces quartiers défavorisés et ces arrondissements bourgeois. Oui, il y a des délinquances des cols blonds, on va dire. Mais il y a une culture à Marseille, ça existe, hein. Une culture, voilà, c'est l'histoire de la ville qui peut aussi expliquer plein de choses. Et cette criminalité, elle appartient à l'histoire de Marseille. Simplement, là, le trafic de drogue est en train de s'ériger en système dans certains quartiers. Et je pense que c'est là qu'il y a vraiment un travail à faire pour arrêter cette emprise sur des quartiers entiers. Et on parlait de la Castellane il y a un instant, c'est entre 40 et 50% de chômage dans la population active chez les habitants de la Castellane, c'est environ 1000 habitants. Les logements insalubres dans ces quartiers défavorisés. Manuel Valls, l'ex-premier ministre, qui commente maintenant l'actualité sur RMC, il a évoqué ce matin une solution radicale. Regardez. Les quartiers, ce qu'on appelle les banlieues en Île-de-France, elles sont au cœur de la ville, marquées évidemment par la pauvreté, les inégalités, la violence et l'insécurité. C'est-à-dire que là-bas, il faut tout raser, il faut tout reconstruire, il faut repeupler autrement ces quartiers, mais ça demande une volonté, une grande puissance de l'État.
Est-ce qu'une solution aussi radicale, alors, eh ben, le fameux, tout raser, la fameuse cité de la Castellane, celle de Zidane, oui, moi, quand j'avais commencé mon enquête, donc il y a l'immeuble où habitait Zidane, qui était, disaient les habitants, le seul monument historique de la cité, et la Tourca, qui était à l'époque la plateforme du trafic de drogue à Marseille, voire en France. Tout ça a été cassé. Ça fait à peu près 3-4 ans, les travaux ne sont toujours pas terminés. Et c'est, je veux dire encore une fois, les quartiers nord, il y a toujours un effet de loupe sur Marseille. Il faut toujours, moi j'hésite là sur les mots parce que c'est une ville qui produit tellement de clichés et en même temps les clichés sont souvent vrais. Mais vous voyez, on est passé de, il y a quelques mois, c'était la ville où il fallait aller, où déferlaient les bobos, the place to be pour la jeunesse, etc. Il y avait une nouvelle movida pour Marseille, au point que les gens s'inquiétaient de voir trop de, voilà, de Parisiens, de voir ou cette trop ville de touristes. Redevenir lisse, etc. Mais ça, il y a 10 ans, ça n'était pas du tout le cas. Marseille change. Il y a des périodes. Déjà, il y a 10 ans, on avait parlé, c'est des périodes comme ça. Et aujourd'hui, c'est focus sur ces quartiers. Et on a l'impression, parfois, à voir certaines images de films ou de reportages, qu'on est à Rio, au Mexique, enfin, qu'on connaît ces quartiers aussi, même à la Castellane, ces quartiers soi-disant où on ne peut pas aller, on peut très bien y aller. Ce ne sont pas les zones de non-droit, les no-go zones que les Américains aiment trouver partout en France. Absolument, ce n'est pas toujours aussi caricatural que ça. Le leader du PC, Fabien Roussel, disait que plus de la moitié des jeunes gens, des jeunes garçons qui vont rentrer en 6e, qui viennent des quartiers nord, ne savent pas nager. Et vous dites, vous avez une formule vraiment forte, vous dites la natation est l'ultime preuve d'une intégration réussie, eau chlorée ou eau salée ou pas, dans les quartiers nord, 70 à 90% des gamins de 6e ne savent pas nager parce qu'il n'y a pas de piscine. Ça, ça m'avait frappé, c'est un fil que j'ai tiré, parce que quand j'ai commencé à faire mes articles, à l'époque j'étais au Nouvel Obs, des policiers m'avaient raconté que des trafiquants, enfin des dealers, installaient des piscines l'été dans les quartiers. C'était leurs bonnes œuvres, puis c'était une façon de recruter aussi. Et parallèlement, toutes les piscines municipales, enfin la plupart fermées, n'étaient pas rénovées, et en particulier dans les quartiers nord. 12 sur 14, je crois. Jean-Claude Gaudin disait « Ah, mais il y a tellement de belles plages à Marseille ». Et puis, à un moment donné, il avait imaginé de faire des séances de natation en mer pour les élèves, évidemment, au printemps. Ils se gelaient. Les professeurs m'ont raconté qu'ils apprenaient les gestes de la brasse aux gamins sur des tabourets ou sur des pneus. Enfin bon, ce problème des piscines qui n'ont jamais été rénovées, pendant que le cercle des nageurs qui était qui est magnifique, qui est un club où il y a plein de champions, etc., mais qui bénéficiait, qui est privé, qui bénéficiait de tout un tas de subventions de la ville. Donc c'est vrai que c'est insupportable et injuste. Et au même moment, d'ailleurs, Jean-Claude Gaudin faisait construire par la ville, enfin la municipalité, un magnifique palais des glaces, absolument pharaonique. Le patin à glace n'étant pas a priori le sport. Mais là aussi, réalisation qui a été critiquée par la suite par la Chambre régionale des comptes. Il y a eu beaucoup de cette politique d'urbanisation à Marseille ces dernières années. On va dire pour le moins bordélique, absolument pas pensée, réfléchie, et qui est aujourd'hui souvent sous le coup d'enquête sur l'utilisation de l'argent, sur l'utilisation, le pourquoi, la non-mise en concurrence, etc. Le roman vrai de Marseille, c'est signé Marie Etchegouin, c'est chez Stock. Les clichés qui, parfois, sont de vérité, sont des réalités. C'est ce que vous démontrez dans ce livre passionnant. Merci beaucoup, Marie-France Etchegouin, d'être venue ce soir. Et puis, on lira avec beaucoup d'attention le compte-rendu de Romain Capdepont de La Provence, demain, dans Le Quotidien, chef de la rubrique Police-Justice, avec qui la liaison a été difficile. Pardon, nos excuses auprès de lui. Vous restez avec nous, Marie-France Etchegouin. On continue à évoquer l'actualité avec la story de Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Babel, bonsoir à toutes et à tous. C'est l'une des infos à la une de la Dépêche du Midi. Une voiture folle qui fonce dans un restaurant, deux blessés graves, une jeune femme d'une vingtaine d'années et un homme dont le pronostic vital est toujours engagé au volant. Un conducteur de plus de 80 ans. Cette histoire, Babette, c'est ce qui est arrivé à Pauline Desroulaides le 27 octobre 2018. Pauline Desroulaides était une jeune femme comme les autres. Elle aimait sa vie, elle adorait son compte Instagram où elle répétait le hashtag Love My Life, j'aime ma vie en français. Mais ce samedi d'octobre 2018, la vie de cette jeune assistante réalisatrice bascule. Elle est percutée en plein Paris par un homme de 92 ans. Une heure avant l'accident, on était avec des copines,
Je me souviens avoir eu un fou rire comme jamais j'avais eu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce conducteur, il a perdu le contrôle de sa voiture, en fait. Et j'ai repris toute conscience tout de suite, en fait. Donc, j'ai tout vécu, tout entendu. Donc, ça aussi, ça fait partie du traumatisme qu'il faut soigner ensuite, parce que les fameux flashs de l'accident, la vision de ma jambe arrachée, ça va très vite dans la tête. Et on se dit que la vie ne sera plus jamais la même. Après son opération qui a duré de longues heures, Pauline Deroulède ne se trouve plus belle. Elle est fan de France Gall, mais elle résiste. Elle prouve qu'elle existe, soutenue par Tiffen, sa compagne toujours à ses côtés. Elle se fait la porte-voix d'un combat politique et sociétal. Elle ne veut plus que son histoire se reproduise. C'était très important pour moi de voir celui qui m'avait fauché, qui m'avait privé de ma jambe. Et il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais et qui me pousse dans mon combat de tous les jours. Il m'a dit que s'il y avait une loi, il l'aurait respectée. Moi, j'ai eu les réponses que je voulais avoir, les réponses qui me donnent la force de continuer tous les jours à me battre pour qu'en France, il y ait un projet de loi sur la mise en place de tests d'aptitude à la conduite pour tous les conducteurs, pas seulement les seniors. C'est normal de devoir repasser des tests sur la conduite. C'est trop important parce que des drames comme ça, il y en a malheureusement encore eu depuis mon accident. Et ça ne devrait plus arriver. Ça devrait plus arriver. Aujourd'hui, son combat, elle le porte également sur les cours de tennis. Plus jeune, elle en faisait 6 heures par semaine. Et après son opération, elle se lance un défi. Elle prend rendez-vous pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. La désormais championne de France de tennis fauteuil ne veut pas simplement y participer. Elle veut ramener une médaille d'or à la maison. Ça serait une revanche sur la vie. Même si tous les jours j'essaye d'en prendre des mini revanches sur la vie, mais voilà, être à Paris et ramener une médaille, ça serait le plus beau message que je m'enverrais à moi-même en disant voilà d'où tu reviens et t'es là, et aussi aux gens, parce que je pense qu'on peut surpasser des épreuves et être au plus haut niveau quelques temps après. Tout est une question de temps, tout est une question de volonté, mais voilà, c'est ça que je pense en fait. Le courage, la détermination et le sourire magnifique, ouais, de Pauline Deroulède. Le beau message, et puis elle dénonce une situation qui est assez spécifique à la France. Il y a beaucoup d'autres pays de l'Union européenne où le permis n'est pas un permis à vie, Patrick. Absolument. En France, on considère que puisqu'on l'a passé à 18 ans, on peut garder le permis de conduire jusqu'à 88 ou 98 ans, alors que ça n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits. Mais le sujet est régulièrement remis sur la table. Et puis, il y a... Régulièrement enterré, quoi, avec d'autres priorités. Oui, parce que... Pour ne pas fâcher... Les retraités qui votent. Et voilà. Et là, on rentre dans une campagne présidentielle. Il faut savoir, Babette, que la personne qui a percuté Pauline Deroulède devait arrêter de conduire le mois suivant. Elle devait arrêter de conduire dans ses documents, dans ses papiers d'identité. Il était prouvé aussi qu'elle avait des problèmes. Et donc, c'est une affaire assez grave. Merci beaucoup, Mohamed. À tout à l'heure pour la Story Média. C'est l'histoire d'un livre qui nous plonge dans l'intimité du couple présidentiel. On est là, l'un pour l'autre, sans arrêt, 24 sur 24. Je sais ce que je dois à ma famille. Nous sommes totalement fusionnels. C'est la femme de ma vie. J'ai un mari qui écoute beaucoup. Nous avons décidé de construire une vie en commun. Je vous fais rentrer un peu dans notre intimité. Très souvent, les discours, le soir, ils les expérimentent sur moi. Elle est magnifique. Ce soir, j'efface mon mari avec le numéro de... Que vous avez envie qu'il se représente. C'est une décision qu'on prend seul. Et après, s'il la prend, il me demandera de l'accompagner. Donc à ce moment-là, je répondrai. Bonsoir Gaëlle Chakalov. Bonsoir. Journaliste, bonsoir. Écrivaine, vous signez Tant qu'on est tous les deux aux éditions Flammarion, ouvrage qui fait le récit des jours et des nuits que vous avez passé au cœur du réacteur, au plus près du pouvoir d'Emmanuel et de Brigitte Macron. Et pourtant, votre livre, l'Élysée ne veut pas en entendre parler, Émilie. Nitroglycérine, non féminin, explosif, puissant sous l'effet d'un choc, principal composant de la dynamite. Eh bien, la dynamite, c'est vous, et par ricochet ce livre, puisque c'est ainsi qu'on vous surnomme à l'Élysée quand on apprend que vous avez l'intention d'écrire un livre sur le président. Chakalov est de la nitroglycérine, il faut l'évacuer, c'est mal vous connaître. Alain Juppé en sait quelque chose, lui que tout le monde a pu imaginer en animal aux grandes oreilles, regardant frénétiquement sa montre, ne voulait pas de vous, il ne voulait pas d'un livre, pourtant vous passerait 18 mois à ses côtés, et cela a donné Lapins et Merveilles, prix du livre politique en 2016. Avec les Macron, même processus, c'est votre marque de fabrique, vous êtes l'écrivaine amie, l'amie écrivaine, et souvent plus si affinité. Brigitte Macron, d'ailleurs, vous allez finir par l'aimer passionnément, irrationnellement, au point où même pour faire semblant, pour le livre, vous ne parvenez pas à la vouvoyer. Cas particulier pour les Macron, ils vous ressemblent.
La vie, le pouvoir, la ville, officiel, officieux, tout est poreux, même s'ils se veulent hermétiques. Ce livre, ils n'en veulent pas, donc les conseillers élyséens barrent le chemin à Tchakalov, la journaliste, l'écrivaine, tandis que les Macron continuent d'ouvrir leurs portes à Tchakalov, l'ami, la confidente. Le président ne veut pas du livre et pourtant Brigitte Macron vient faire du snorkeling avec vous au large de l'île de Porquerolles, votre fief. À la recherche de Mérou. À la recherche de Mérou. Ils vous connaissent et puis soudain, ils ne vous connaissent plus. On ne veut pas, mais on laisse faire et ça change tout le temps. Vous dites avoir passé plus de temps à vous battre pour avoir accès à eux qu'à écrire sur eux. On retiendra tout de même deux scènes. Celle où vous entrez dans le bureau de la première dame sans frapper alors qu'Emmanuel Macron est en pleine conversation avec un conseiller. Ou celle où vous découvrez pour la première fois la froideur de Brigitte Macron. C'est le jour où vous lui annoncez au téléphone que votre livre traitera du couple et non pas uniquement du président. Vous allez en pleurer de cette froideur et pourtant le livre, vous allez le publier. Vous l'auriez fait quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. La vraie question, c'est effectivement la question de la trahison. Je pense que je n'ai pas trahi, parce que trahir, c'est quand on vous demande de ne pas révéler quelque chose. Or, à aucun moment, on m'a dit « n'écris pas ça » ou « ne dis pas ça » ou « ne rapporte pas ça ». Si, on vous a dit « n'écris pas ce livre », « ne veux pas ce livre ». Mais le président, eux, jamais. Eux, jamais directement. Parce qu'ils ont cette particularité de ne pas verbaliser les choses. Donc, à aucun moment, ni lui ni elle ne m'ont dit... Donc, qui ne dit mot consent, c'est ça. Voilà. Exactement. Vous savez, je les ai lus un peu à l'usure, hein, je reconnais. Elle l'a lu, Brigitte Macron, le président, a lu ce livre. Je ne sais pas, il faut lui demander, je ne sais pas. C'est silence radio depuis que le projet... Ah non. Avec la première dame, nous parlons, mais jamais du livre. Pendant le livre, nous ne parlions pas du livre, et après le livre, nous ne parlons pas du livre. Vous l'avez envoyé. Ah, je l'ai renvoyé en même temps qu'à la presse, en fait, le 19. Le 19 août, il est sorti, il est en librairie depuis le 25 août. Si Brigitte Macron vous laisse finalement approcher le président, c'est parce que, comme elle vous le confie directement, il ne faut jamais céder à Emmanuel Macron. Elle ne lui cède jamais, vraiment. Et c'est une qualité qu'utilisent les conseillers du président pour l'atteindre, le faire changer d'avis. Vous racontez notamment ce jour, la veille de l'annonce du troisième confinement, c'est Brigitte Macron qui est chargée de porter un message au président, il ne faut pas fermer les écoles. Alors, ce qui est effectivement intéressant, j'ai choisi d'écrire sur tous les deux parce que j'ai été fascinée non pas par le pouvoir mais par le couple, par leur histoire d'amour qui est absolument exceptionnelle. Et leur fusion, leur osmose, fait qu'effectivement, elles jouent un rôle extrêmement important, même si elles ne se mêlent pas de politique politicienne au jour le jour. Le fait est que, à la fois président de la Fondation des hôpitaux de France, et d'autre part s'occupant des laissés pour compte depuis le début du quinquennat, elles savaient des choses que les conseillers ou que le président lui-même ne savait pas. C'est-à-dire la détresse psychologique des enfants, la maltraitance. Absolument. Pendant le premier confinement. Donc, effectivement, ce jour-là, je suis dans le bureau. Ils m'ont oublié au bout d'un moment, parce que j'étais comme un meuble. Enfin, ils avaient tellement l'habitude que je sois là qu'ils m'oubliaient. Et elle est redescendue du bureau du président et elle a parlé au conseiller devant moi de la difficulté qu'elle avait à voir ce confinement arriver. Et en fait, à la fin, il a dû en partie l'écouter, parce qu'il n'a pas reconfiné totalement. Il l'écoute. C'est peut-être la seule qui l'écoute. De l'aveu même de l'un des trois principaux membres de son gouvernement que vous avez rencontré, qui s'est confié, Emmanuel Macron ne peut pas déléguer. C'est un solitaire sans équipe. C'est Bruno Le Maire qui vous dit ça ? Ah, je ne peux pas vous répondre. Si je ne l'ai pas écrit dans le livre, c'est que je préfère protéger mes sources. C'est pourquoi ? C'est parce qu'il ne fait confiance en personne ? Il ne croit qu'en lui ? Non, je pense qu'il a très peu confiance en lui. Je ne pense pas qu'il ait confiance en lui. Il doute beaucoup, il interroge beaucoup son entourage avant de prendre une décision. Quand il la prend, étrange vraiment. Mais une des choses que j'ai découvertes pendant ces deux ans, c'est que c'est l'absence de confiance, oui. L'absence de confiance en lui. Oui. Et pourtant, vous dites qu'il est assez seul, qu'il n'y a pas vraiment d'équipe soudée autour de lui et que petit à petit, l'Élysée se vide, que les conseillers n'ont qu'une hâte de quitter l'Élysée, de quitter ce navire, de quitter ce cachot. Et vous dites, même Emmanuel Macron, finalement, est peut-être pressé de quitter l'Élysée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai trouvé que c'était épouvantable ce qu'il vivait lui et ce que vivaient les conseillers qui sont dans un rythme de travail et un quinquennat qui a été dur, tout le monde le sait. Je pense qu'il a des conseillers qui sont proches de lui, pas tous. C'est les conseillers entre eux qui ne se parlent pas, en fait. Il y a des petites baronnies comme ça et ils ne se parlent pas. Dans son entourage, personne ne pensait qu'il deviendrait ou ne souhaitait qu'il ne devienne un homme politique. Son directeur de cabinet le voit plutôt artiste. Brigitte Macron et la mère d'Emmanuel Macron vous racontent qu'elles auraient aimé le voir écrivain ou acteur, comme Gérard Philippe. On en est très loin, quoi. Ce sont des romantiques égarés en politique.
Ah oui, je pense que c'est une fonction qui est totalement contre nature avec ce qu'il est et ce qu'ils sont tous les deux profondément. C'est des personnages très littéraires, pas seulement parce qu'ils aiment la littérature, mais ils ont une approche du monde qui est toujours un peu décalée, assez onirique, poétique. Et c'est ce qui m'avait interpellée d'ailleurs quand j'ai rencontré Emmanuel Macron en 2016. J'ai vu qu'il était à côté. Donc la raison pour laquelle il s'est présenté, je la soulève dans le livre. Vous la soulevez notamment parce que vous allez rencontrer une proche des Trogneau et des Macron à Amiens. Oui. Et elle vous dit, s'il est devenu président de la République, c'est pour prendre sa revanche sur son passé, sur le fait que son couple n'avait jamais été accepté. Devenir président, c'est le seul moyen d'imposer son histoire d'amour. On a du mal à y croire quand même. Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Je pense qu'ils ont énormément souffert du regard social qui a été posé sur ce couple qui a tant de différences d'âge. En plus, elle qui était professeure, enfin bon, dans l'époque actuelle, c'est pas très à la mode. Malgré tout, leur amour a traversé comme ça l'histoire. Et je pense qu'ils avaient trouvé enfin la tranquillité avant qu'ils se présentent. Et elle a accepté qu'il y aille. Est-ce qu'il a voulu imposer à la France cette femme plus âgée qu'il aime d'un amour fou? C'est possible, c'est peut-être une des raisons. Une des raisons. Il y a quelqu'un dans votre livre, vous dites quelqu'un pour là aussi préserver son identité, mais c'est un peu gros parce qu'on se rend tous compte que c'est François Hollande ce quelqu'un. C'est ce qu'on en déduit en tout cas. En tout cas, ce quelqu'un n'y va pas de main morte. Emmanuel Macron pour lui c'est un comédien, ce qui explique que les Français ne le comprennent pas, ne s'y retrouvent pas. Moi, je n'ai pas vu un comédien. Évidemment, je les connaissais tous les deux avant, plutôt correctement, on va dire. Je dirais pas bien, mais correctement. Elle, beaucoup mieux que lui, mais lui aussi, je l'avais quand même beaucoup suivi. Je vois qu'il a une forme d'empathie, au sens premier du terme. C'est-à-dire que quand il parle à un agriculteur, il parle de jachère, et quand il parle à un normalien, il parle de philosophie. Donc, il a une forme d'empathie, mais ce qu'on a pratiquement tous tendance à faire. Je ne crois pas qu'il joue. Je ne crois pas qu'il y ait de personnage Emmanuel Macron. Je pense qu'il est totalement naturel. Et ce que j'ai découvert, c'est sa volonté permanente, pour quelle raison ça je ne sais pas, d'aller vers les autres. Ce qui n'est pas du tout entendu par les Français. Encore une fois, moi je ne fais pas de politique. J'ai une subjectivité totalement désintéressée, donc ce n'est pas le sujet. Mais il est tout le temps en train d'aller chercher l'autre. Vous avez une jolie formule, vous dites quand on est président de la République à 43 ans, on veut faire absolument président et donc il faut planquer, vous ne dites pas ça comme ça, mais il faut planquer son émotivité. Et vous racontez quand même des situations où vous avez vu son émotivité, les yeux presque emplis de larmes qu'il retient. Oui. Ce qui m'a beaucoup frappé pendant ces deux ans, c'est... chez eux deux, cette affectivité qui est, à mon avis, leur plus grande qualité, leur plus grand défaut. Il a été beaucoup écrit, vous savez, au début du quinquennat, qu'il avait du mal à se séparer des conseillers. Moi, je l'ai vu. En fait, quand un conseiller s'en va, il fait un pot de départ. Et d'ailleurs, c'est dans plusieurs chapitres du livre, on le ressent. Il fait un pot de départ et il commence toujours le pot en disant « Je n'aime pas qu'on me quitte ». C'est incroyable, en fait, quand on est président et qu'on dit ça, c'est incroyable. Il y a des contradictions, quand même, que les Français n'entendent pas, justement, cette sensibilité. Pourquoi il y a tant d'écart entre ce qu'il est et la perception que les Français en ont? Ça, c'est un contraste que déplore sa mère, Françoise Noguès, que vous avez longuement interrogée. Oui. Je pense qu'il a une forme... il fait de la communication... Mais sur sa personne, il a du mal à faire de la communication. C'est-à-dire, d'abord, ce livre m'a permis, en dehors de l'histoire d'amour, qui est effectivement la trame du livre, il m'a permis de découvrir comment se passe le pouvoir, ce pouvoir-là, tenu par lui et sa femme, même si elle ne tient pas le pouvoir, mais qui est quand même très présente. Et c'est tant mieux, à mon avis. J'ai été stupéfaite de voir que le pouvoir n'est pas quelque chose d'essentiel pour lui, et donc il n'est pas dans la communication sur sa personne. Il est dans l'hyper-présidence, évidemment. Il vérifie tout, il passe derrière tout le monde, il tient tous les dossiers, parce que
Il n'a pas confiance en lui, je pense. Enfin, une analyse de comptoir hein, que je vous livre, mais c'est ce que je pense. Et le pouvoir, à mon avis, ne lui est que très relatif. Il a un attachement au sacré. Vous savez, pendant la campagne, on disait qu'il est mystique. Quand il avait été habité comme ça sur la scène, je crois que c'était à Versailles. C'est notre projet, voilà. Le fameux « C'est notre projet ». Et moi, je l'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, c'est dans le livre, dans le chapitre du Panthéon, voilà, quand il rencontre des artistes. Il a un rapport au sacré qui fait qu'on a l'impression que tout est profane, y compris le pouvoir. Du coup, j'ai beaucoup relu Mircea Eliade pendant que j'écrivais ce livre, parce que je voyais que je réinterprétais tout ce que j'avais vu, par exemple la scène du Louvre. Je pense que, évidemment, il voulait faire président, mais dans ce rapport au sacré, je pense qu'il y a deux types de gens. Il y a les gens qui considèrent qu'un acte est un acte, et puis il y a des gens qui considèrent que derrière l'acte, il y a une forme de grâce, il y a une dimension supplémentaire. Et il fait partie de cette catégorie de gens. Est-ce que c'est bien ou pas bien, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est un couple fusionnel qui va partir en campagne pour briguer un nouveau mandat ? Je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec eux. J'en ai pas parlé avec eux, je pense qu'elle, c'est une femme d'État que j'ai découverte, parce que je la voyais dans la vie privée. Et c'est vrai que j'ai découvert une femme d'État. Je ne pense pas que ça lui fasse très plaisir de repartir là-dedans. Elle a une forme d'abnégation, quand même. Je pense que son principal défaut à elle, c'est qu'elle le fait toujours passer avant elle. Donc s'il faut faire passer avant elle une candidature, une nouvelle candidature d'Emmanuel Macron, elle le fera peut-être. Tant qu'on est tous les deux, Cécile Gaël Tchakalov, c'est aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, vous restez avec nous, on continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard. Salut Mathieu, au sommaire ce soir. Un nouveau variant du coronavirus, peut-être résistant au vaccin. On vous explique pourquoi, il n'y a pas encore de quoi paniquer, mais pourquoi l'OMS le surveille. La rentrée des profs aujourd'hui, celle des élèves, c'est demain, dans un climat de pandémie. Protocole sanitaire est mis en place avant le jour J, reportage dans ce 5 sur 5. Et puis, entre température réelle et température ressentie, pourquoi cette impression d'un été pourri ? La journaliste météo Chloé Nabédian avec nous en plateau pour comprendre les cartes de l'été. On commence avec ce nouveau variant qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé. Un communiqué dans la nuit pour nous présenter B1.621. Alors ne retenez pas forcément le nom scientifique de celui qu'on appellera déjà variant MU, après alpha, bêta, delta, on commence à connaître tout l'alphabet grec pour ne pas stigmatiser les pays d'origine de ces variants. Le variant MU, très présent en Colombie, est très présent sur nos chaînes info ce matin. C'est le nouveau variant qui inquiète l'OMS, le variant MU. Ce nouveau variant du coronavirus a été identifié pour la première fois en Colombie en janvier dernier. Ce variant a vu sa prévalence augmenter constamment. Ce nouveau variant pourrait être résistant au vaccin. Et ça, on l'imagine, c'est la crainte de tous les médecins. Le 1er septembre, retour de vacances pour certains, il manquait plus que ça, une alerte OMS. Alors on va essayer de garder la tête froide, pas de panique, le variant MU, ce ne sont que 0,1% des cas dans le monde. Alors pourquoi l'OMS s'y intéresse en particulier ? Explication de l'infectiologue Robert Sebag. Au micro, c'est à vous d'Anaïs Recouli. La crainte que nous avons, et que tous les médecins, les infectiologues, les responsables épidémiologiques, c'est qu'un jour, ce variant, les vaccins existants ne soient plus, si vous voulez, efficaces par rapport à ces variants. C'est parfois des tout petits changements, si vous voulez, mais qui peuvent modifier, si vous voulez, à la fois la pathologie et la contagiosité. Celui-là, on le découvre, il est surveillé, et il faudra voir, effectivement, s'il prend la place du variant dominant, qui est le Delta en Amérique du Sud aujourd'hui. Alors si on parle de variants résistants au vaccin, c'est qu'une question se pose et finalement c'est toujours la même. Quelle réponse politique et sanitaire à l'épidémie, souvenez-vous d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier ? Nous devons aller vers la vaccination de tous les Français, car c'est le seul chemin vers le retour à la vie normale. Il ne s'agit pas là de le brocarder, parce qu'on sait très bien qu'avec ce virus, la vérité d'hier, ce n'est pas celle de demain. Mais est-ce que c'est toujours vrai ou est-ce que ce genre de variant appelle d'autres solutions ? On peut fabriquer un vaccin, mais il faut au moins 6 semaines, c'est-à-dire on modifie le code ARN, si vous voulez, spécifiquement sur ce mutant, et avoir une sorte de nouveau vaccin. On n'a pas encore le médicament, les quelques pilules à prendre, comme on le fait sur certaines infections avec des antibiotiques, mais sachez qu'il y a des milliers de candidats
de traitement. Et on espère d'ici la fin de l'année qu'on aura vraiment un traitement. On aura à la fois un vaccin et aussi un traitement. Et ça, ça sera la solution formidable. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'être alarmiste, de paniquer tout le monde. L'OMS, pour être très clair, considère que 4 variants sont préoccupants. Celui-ci, le variant mu, est dans une autre liste de 5 variants à suivre. La rentrée scolaire demain, justement, mais sous la menace du variant Delta. Oui, vous avez fait grec ancien, j'ai l'impression. Alors pour les profs, c'était dès ce matin. Je vous laisse imaginer la pré-rentrée 2021. Les protocoles sanitaires sont nationaux ou locaux. La gestion des âges, on fait comment au collège avec des ados vaccinés et des 6e, 5e qui sont parfois trop jeunes. Les classes, la récré, la cantine. Alors, chers parents d'élèves, dans le collège Paul Fort, le plus grand de l'Essonne, 900 élèves, Iban Raïs et Camille Schmitt vous dévoilent la coulisse du casse-tête. Dans le cadre de la préparation de rentrée, accueil en présentiel de tous les élèves, EPS à l'extérieur ou si intempéries en intérieur avec 2 mètres de distance entre les élèves, port du masque obligatoire en intérieur et en extérieur. Vous n'allez pas avoir de purificateur d'air à proprement parler, mais au collège Paul Fort, vous allez avoir des capteurs de CO2. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ils marchent et qu'est-ce qu'ils affichent ? Oui, alors donc ces capteurs de CO2 qui sont des capteurs de CO2 mobiles vont être positionnés à divers endroits de l'établissement et notamment dans des salles peu aérables. Ça c'est le taux de CO2. C'est le taux de CO2 dans cette pièce à l'issue de notre réunion. Est-ce que là on est bon, la diode est verte? C'est vert, donc on est en dessous de 700, donc on est dans des conditions normales d'aération de la pièce et voilà. Pour les capteurs de CO2, il faut compter une centaine d'euros pièce. Les purificateurs d'air, c'est 5 à 10 fois plus. Et puis, à ce sujet de débat en salle des profs, l'Éducation nationale appelle, incite les enseignants à parler de vaccination avec les ados, avec leurs élèves. Oui, et parfois, ça coince. Est-ce que c'est leur rôle? Comment le faire? Sur quel ton? Écoutez cette prof de Montlhéry, justement. Effectivement, dans le factuel, voilà. Mais je vois pas. Pour l'instant, pas dans mon cours de sciences. Voilà comment ça pourrait arriver. Peut-être qu'un professeur de SVT pourrait parler du vaccin dans le cadre plus général, effectivement, d'un cours sur la vaccination. C'est pas mon rôle d'inciter les élèves à se faire vacciner. Voilà. 12 400 000 élèves font donc leur rentrée demain. On leur souhaite une belle rentrée. Ils ont hâte, c'est sûr. Certains parents, un petit peu moins. Regardez, ça se passe du côté de Nice. J'ai bien dit certains parents. Hein. C'est 200 manifestants anti-pass sanitaire qui ont littéralement pris d'assaut le rectorat de l'Académie de Nice. Collabo, touchez pas à nos enfants. Ils s'opposent en particulier à la vaccination au sein des établissements scolaires. Le recteur a finalement accepté de recevoir quelques-uns de ces manifestants. Cette rentrée, c'est un... Oui, pour les mineurs, ça se fait avec l'autorisation des parents. Bien sûr. Donc, bien sûr. Non, mais la justification. On ne fera rien sans l'autorisation des parents. Je ne vais pas justifier cette manifestation, je vous la raconte, c'est tout. Et pas de passe sanitaire dans les écoles, il faut le rappeler. Non, mais le recteur les a reçus, c'est peut-être le minimum. Cette rentrée, c'est donc un défi, vous l'aurez compris, dans un pays qui s'enorgueillit d'avoir si peu fermé les écoles. Je voudrais que vous regardiez ces images à présent. Nous sommes au Mexique. Lundi, 25 millions d'enfants sont rentrés en classe après plus de 17 mois de coupure. 17 mois. Depuis le début de la pandémie, les petits Mexicains étaient privés d'école. À surveiller, à noter aussi, après la rentrée, on a observé une forte hausse du nombre de cas en Écosse, dans certains États des États-Unis et dans certains Länder allemands. Bon, la rentrée, c'est pas que le Covid. Non. Non, on retrouve les copains, on se raconte les vacances. Ah oui, ces souvenirs. Comment il a fait beau ? De pulls, d'écharpes, de bottes, de parapluies pour sortir. Quel été pourri. Ah, il fait froid. Pour moi, il fait froid, oui. C'est-à-dire qu'on va sûrement pas se dévêtir, quoi. Une combinaison et un maillot et ça. Ah, oui. Il fait froid ? Il fait frais. Il fait frais. D'ailleurs, vous n'avez pas l'air d'avoir très chaud. Pluviométrie exceptionnelle, plus 23%, l'été le plus humide depuis 2014. Déficit d'ensoleillement, ah, j'aime bien, déficit d'ensoleillement, en jargon météo, ça veut dire il fait moche. Vous avez peut-être appris aussi cette nouvelle expression. On a ces nuages qui tournent, c'est ce qu'on appelle la goutte froide qui tourne, qui nous apporte l'instabilité chez nous. Cette goutte froide est entourée par 2 zones de chaleur. On a toujours ces retours d'air, cette goutte froide. La goutte. Bonjour, salut Chloé Nabénian. Vous êtes la goutte froide sur ce plateau. La goutte froide, oui, apparemment. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est vrai que c'est un terme un peu barbare, mais c'est pas si compliqué en fait. La goutte froide, c'est juste pour symboliser ce pôle d'air froid, ce réservoir qui est présent au niveau du pôle nord, qui est d'habitude ceinturé, vraiment protégé par le fameux courant de jet. C'est un courant de vent en altitude très 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 rapide et qui le maintient. Mais parfois, il mollit un petit peu, lui aussi il est fatigué et il se met à onduler. Et là, ça crée des creux dans cette poche froide. Et parfois, ces petits creux peuvent se détacher et se positionner quelque part dans le monde. Là, c'est tombé sur la France et les îles britanniques et c'est ce qu'on appelle une
une goutte froide. Mais quasiment que pour nous, hein, cette année, oui, quand on regarde les cartes, cette goutte froide. Et pour nous et que pour juillet et août. Hein, c'était formidable. Autour, c'était incendie, canicule, on a pu le voir cet été, pas chez nous. Effectivement, alors, quelque part, ça nous a protégés quand même de toutes ces canicules. Je rappelle qu'il y a eu des 45, 48 degrés sur les autres pays, donc on n'a pas eu de canicule cette année. Mais c'est vrai qu'elle s'est positionnée là parce qu'elle était entourée par ces grands systèmes anticycloniques qui étaient bloqués. Et elle n'avait pas d'autre solution que de se mettre finalement sur la France. Alors, accrochez-vous autour de la table. Ce que disent les experts, en revanche, c'est qu'il a fait chaud cet été. Plus 0,5 degrés par rapport à la moyenne de référence. Je sais que cet été était décevant, mais en fait, c'est qu'on s'est habitué à des étés caniculaires et qu'il va faire de plus en plus chaud à l'avenir. Effectivement, c'est vrai que ces 6 derniers étés, on s'était habitué à ce qu'il fasse très beau, très chaud. On avait 1-2 canicules par été sur au moins la moitié de la France. Mais ça, c'était anormal, en fait. On s'habitue un peu à ces étés qui sont totalement anormaux, alors que cette année, finalement, on a eu des températures plutôt classiques. Et même sur le taux d'ensoleillement dans notre pays, on était plutôt à peu près dans la normale, puisque c'était à hauteur de 90%. En revanche, pour la pluie, là, je vous donne raison. Il a plu 20% de plus, mais ce n'est pas autant que ce qu'on pouvait imaginer. On en est où de la goutte froide? Elle va rester, elle est toujours un peu molle en ce moment et elle va rester là. On n'a pas d'été indien là. Oui, mais là, ce n'est pas le nord qui est concerné. Cette fois-ci, c'est le sud. Nous, on fera beau, il fera chaud. En revanche, sur les régions méridionales, effectivement, ça sera un peu plus compliqué à partir de demain. D'accord. Plus orageux. On aura un automne pourri ou un automne... Alors, je veux pas... le problème avec les prévisions à long terme, là, c'est que ce n'est pas encore très sûr à cause des gouttes froides, justement, qui se mettent un petit peu comme elles veulent. Dont on ignorait l'existence jusque-là. Un truc de plus auquel il faudra penser, où on est la goutte froide. On est la goutte froide et malheureusement, la semaine prochaine, c'est assez mal parti, quand même. Oh. Je dois l'avouer. Grosse goutte froide la semaine prochaine. c'est une info. Chloé Nabédian du service météo de France Télévisions. Et évidemment, la météo devient-elle folle? Ce titre, voilà le titre de votre livre aux éditions du Rocher. Un dilemme pour les politiques, particulièrement en cette année électorale, réussir à parler aux jeunes. Eh oui, comment on fait? Petit florilège d'introduction. Salut jeune entrepreneur, je m'appelle Marlène Schiappa et j'arrive sur TikTok. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. L'économie française se porte bien. L'économie française se porte bien. C'est formidable, je ne connaissais pas. On me dit que j'ai un côté, vous savez, un peu vintage. C'est pas la capitale, c'est Marseille, bébé. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr, qu'à cela ne tienne. Les jeunes avec Macron, les JAM, vous connaissez? Oui, oui. Bien sûr. Alors que le président est à Marseille, le candidat, lui, est sur Netflix, ou presque. Regardez, une affiche révélée ce matin, c'est nous qui avons ajouté le petit indicatif sonore de Netflix, bien sûr. Macron, président des jeunes, lit-on vivement qu'on signe pour 5 saisons de plus. Alors, analyse ce soir, les experts, c'est à vous, je vous en prie. Regardez comment on pourrait se méprendre. Les JAM, les jeunes avec Macron, ont tout simplement repris la charte graphique de la plateforme, le logo Netflix devenu Macron. On a une date aussi sur le côté, comme sur les affiches Netflix, la mise en scène de la photo, la lumière, le cadre, le code couleur aussi. 50 000 de ces affiches doivent être placardées dans 80 villes la semaine prochaine. Un meeting sur et pour la jeunesse doit être organisé dans un mois. Alors, à la fin du quinquennat, est-ce que le président a besoin de se rattraper ou de se racheter une crédibilité auprès des jeunes? C'est ce que j'ai demandé à Ambroise Méjean. C'est le délégué général des Jeunes avec Macron, on l'a appelé cet après-midi. Pas besoin de se rattraper parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, il est très populaire chez les jeunes. Plus de 60% de popularité chez les 18-24 ans. À ce moment-là du quinquennat, c'est inédit. Et ce qu'on souhaite dire par cette campagne d'affichage, c'est qu'il faut qu'on continue, que le président continue à incarner la voix de la jeunesse. On parle en même temps d'un électorat, les jeunes, particulièrement abstentionnistes. C'est aussi pour ça qu'on a utilisé ce code-là, qui est un code spécifique à la jeunesse, qui rappelle à tout le monde les séries Netflix sans aucun souci. L'électorat jeune, il est important pour nous, déjà parce qu'on veut évidemment transformer le quotidien des jeunes, comme ça a déjà commencé à être fait et comme il faut continuer à le faire, mais aussi parce que ça veut dire quelque chose. Quand la jeunesse a confiance dans l'avenir et quand elle a confiance dans le président de la République, c'est plutôt bon signe. Quand on vous a demandé si vous connaissiez les JAM, vous avez dit « Oh oui ». Il est populaire auprès des jeunes, Emmanuel Macron? Auprès des JAM ou auprès des jeunes? Auprès des JAM, j'imagine, des jeunes plus généralement. Je ne sais pas, parce que moi, je ne regarde pas les sondages, etc. Les JAM, je les ai suivis en 2016, au moment où ils se constituaient. Et c'est vrai que c'est très impressionnant, parce qu'on a l'impression d'être dans un concert de rock. Si vous voulez, quand Emmanuel Macron arrive sur la scène, ils sont en transe, ils sont au bord de pleurer. Et c'est très, très étrange. Marie-France Etchegouin, l'efficacité d'une publicité comme celle-là, enfin d'une affiche de campagne, pardon. C'est à voir, mais bon, c'est évident que les politiques utilisent de plus en plus ces moyens. Enfin, McFly et Carlito. Les youtubeurs qui sont venus TikTok, interviewer Emmanuel Macron à l'Élysée. C'est
Je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne sais pas s'il faut le déplorer ou s'il faut penser que ça, c'est un moyen, peut-être, pour ramener les jeunes à la politique, à s'y intéresser. J'avoue que j'ai du mal à... Spontanément, ça me désole. Mais bon, après, j'essaie de réfléchir. Pourquoi pas ? Ça vous désole ? Cette manière de cette communication politique qui emprunte uniquement les canaux de la publicité, du formatage, etc. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on ramène les gens à la politique. Est-ce que c'est nouveau ? Non, ce n'est pas nouveau. Mais avec les moyens modernes, qui sont mis en place aujourd'hui... Ça a plus d'ampleur. Et sur lesquels réfléchissent de plus en plus les politiques aussi, qui sont de l'ordre... McFly et Carlito, ça a fait rire. Mais quand Emmanuel Macron parle beaucoup avec les jeunes sur le réseau brut... C'est un vrai dialogue politique. Oui, ben c'est pour ça que je parlais de brut tout à l'heure. Et de toute façon, vous le savez aussi bien que nous, tous les politiques ont toujours cherché à parler aux jeunes. Vous croyez ? Donc, brut, c'était. Je pense que c'est là qu'il y a eu un vrai échange et un vrai renouvellement d'Emmanuel Macron dans sa parole aux jeunes. Oui. Non, mais effectivement, c'est évidemment pas le premier à chercher à trouver le bon langage, les bons codes pour la jeunesse. Dans l'ordre, Giscard en 1981, Mitterrand en 1988, un petit peu de musique à la fin, écoutez. Dans mon septennat nouveau, la priorité sera celle de la jeunesse. Je m'appelle Renaud, je suis chanteur énervant, je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. Ta-da-da ! Les jeunes Sarkozy. On avait oublié, mais ça fait du bien de s'en souvenir. Ouais. On est très. Et Chirac avec Madonna. La différence avec les autres présidents, c'est que lui-même est jeune. Moi, je l'ai vu sur le terrain. Ah oui. Les jeunes viennent lui taper dans le dos, lui parlent comme si c'était leur copain, en fait. Oui. Il est jeune. Il est jeune. Simplement, parce que je suis encore le nouveau de l'équipe, vous allez y voir toute la flagornerie que vous voulez. Babette, évidemment, je me suis dit qu'on allait s'inspirer des communicants politiques. Voilà, je vous souhaite une très belle saison. Eh ouais, moi, je serais bien l'héroïne d'une série Netflix. Oh, plus j'ai un cadeau c'est bien. Moi, j'aime bien les faillots. Merci, Mathieu. Merci beaucoup, Marie-France. Et Tchégouin, je rappelle, Marseille, le roman vrai chez Stock. Gaël Tchakalov, Tant qu'on est tous les deux, c'est chez Flammarion. Merci, Chloé Nabédian. On ne peut pas commencer une saison sans que vous veniez nous faire coucou sur le plateau. C'est dans un instant, Evelyne Wix, Pierre Arditi, Philippe Génada. Et quelque chose à dire, Bertrand ? Vous êtes sublime, Babette. C'est que vous aimez les faillots. Non, Mathieu va commencer en premier. Non, bon, petit quiz ce soir. Pourquoi cette foule est-elle si hystérique ? Non, ce ne sont pas des fans de Justin Bieber ou de Patrick Cohen, mais des adorateurs de Kim Jong-un. On débriefe ses dernières aventures dans un instant. Oh, on est impatients. A tout de suite pour les actualités de Bertrand, vu la story média de Mohamed et le dîner de C'est à vous. On vous attend.